bien dormi. J'ai pas eu de visite d'infirmière. Maintenant que je pense à manger. Parce que là... Ah la vache, il y a toujours les... Les infectés, mais il y en a moins, c'est toujours ça. La nuit, ils préfèrent un peu... Je sais pas comment dire. Bon allez, je gère. Ils font mal ces zombards là. Bon, moi mon programme c'était d'enlever l'herbe. Ça a carrément rongé le sol. Ah putain, peut-être que ça sert à rien, mais... Putain, du jardinage comme ça, mais... Oh putain de... Allez, vite. Et voilà, c'est déjà fini. J'ai pété mon outil de travail. Je crois que j'ai bien déconné avec ce truc. Mais remarque, c'est un peu dégagé. C'est toujours ça de gagner. Faut que je mange, moi. Bon, bah dans la station essence, il me semblait qu'il y avait... Je sais pas s'il reste encore un peu de... Il faudrait peut-être aussi que je visite ce bâtiment-là. Allez, ça va être ça, mon programme. Dans le camion. Oh. Oh putain de merde. C'est utile le katana. Il y a un serpent non loin, j'ai peur de me... Je l'ai trouvé. Ah. Oh putain. Oh putain. Je viens de ramasser un œuf de serpent justement. Bon alors, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Je sais même pas si j'ai vu, mais... fouiller. Il y a d'autres zombies dehors. Oh putain, il y a ma machette, mon épée. Alors, voilà, c'est bon, impeccable. J'ai de la chance, personne n'a pensé de prendre l'essence qu'il y avait ici, enfin ce qui permettait de faire marcher les voitures. Voilà, je vais tranquille pour un moment là. Le charbon s'est réglé. Ah!
voit rien. Je sais pas c'est quoi cet endroit, mais il faut faire mieux me mettre sur les bureaux d'accueil là, parce que... Oh putain, ne me dis pas qu'il y en a à l'intérieur. Oh putain. Voilà. J'ai créé des torches. C'est quoi cet endroit, putain? Mais putain, je m'en fous. Allez. Putain, dans les bureaux d'entreprise, on risque pas de trouver grand chose. Oh merde. Tant pis. Ah! Oh putain, je vais crever. J'ai failli crever par un rat. Oh là là. À quel point l'infection a vraiment atteint les reins. Y a rien de dangereux a priori. Elle était belle cette ville quand même. Des villes industrielles comme ça. Enfin, des villes modernes tout simplement. Des villes modernes belles comme ça, c'est rare. D'habitude, les immeubles c'est vraiment mal fichu là. Faut dire que je pense que la nature elle y est pour beaucoup aussi. Faire prier droit, c'est fou. Putain, et moi là, ça a servi à pas grand chose hein, mon truc, mais. Pourtant l'idée, je suis sûr qu'elle était bonne, hein, de dégager toute cette herbe là. C'est trop... Je me disais ouais, je vais pouvoir sauter, mais non en fait, même pas en rêve. De zombies, c'est fou. Elle donne mal au ventre, ça. Bon, après, il faut dire c'est de la chair humaine. Allez. Il est où ce putain de rat? Et là. Et on a un autre en plus. Les plumes, non? Punaise, y'a que des plumes. Je risque ma vie dans ce bâtiment, y a rien. Encore, mais encore si j'avais comme créé un arc, ok, mais là.
Là j'ai rien. Ah. De la nourriture. Putain, j'arrive pas à voir le rat. Allez. Aïe. Bon ben, vous savez quoi, rien à foutre. C'est pour me péter la cheville juste pour un rat. Je pense que je peux m'y passer. Oh merde. Bon, il fait nuit, mais au moins on a eu du charbon. Faudrait que je pense à aller dans le métro, il y a peut-être un moyen de partir, enfin c'est qu'un avis personnel. Un rat. Putain. Non, je me rends compte qu'ils sont pareils que les zombies quoi. Il y en a d'autres là. Allez. Va crever. Enfoiré de militaire. Je vais déposer quelques trucs. Non, les munitions toujours avec moi, on sait jamais. Le fer, le diamant. Faudrait que j'en retrouve un de diamant et ça c'est tellement de bonheur. Les médicaments si je me sens pas bien, la pioche je la garde. Les fioles vides je les laisse. Les bouquins, je m'en fous, la nourriture jamais quand même. Les feuillages, je les mets. La chair putréfiée, jamais. Voilà. Bon. Je vais me coucher. Bilan d'aujourd'hui. Je trouve que ça s'arrange moyennement dans la ville. Voire même peut-être que ça empire. Allez. À demain.